Bonjour, je m'appelle Sam. Je suis la copropriétaire de la boutique The Cross et de la boutique Lifestyle juste en face. Bienvenue chez moi. Ici, c'est mon salon. Je vis ici depuis 2 ans. Quand j'ai emménagé, c'était pas terrible. La déco était assez moche. Alors, j'ai tout repeint en blanc, me donnant une sorte de toile vierge, sur laquelle j'ai pu apporter des couleurs. Comme vous voyez, j'aime beaucoup les couleurs. C'est une maison pour la famille, alors il faut trouver une bonne ambiance. Sous mes pieds se trouve un de mes tapis préférés. C'est un tapis de Samarkand que j'ai acheté à Madiva, à Paris. Il dépeint une scène fluviale japonaise et il est vraiment exceptionnel. Ça, c'est une de mes lampes préférées. Elle est faite de résine et peinte à la main. Et le soir, elle dégage une lueur formidable. Et ça, ce sont parmi mes œuvres préférées. Ce sont les filles en bikini de Gerald Lang, un artiste pop. Je les ai achetées dans un dépotoir il y a très longtemps. Et c'est une vraie trouvaille parce que je les ai eues à un très bon prix. Là, c'est un autre de mes artistes préférés. Il s'appelle Chris Kenny et il fait des jeux de mots. Là, c'est une de ses collections de papillons et ils ont tous des légendes amusantes. On pourrait se marier, par exemple. Une maison pour moi doit incorporer un certain sens de l'humour. Si elle est trop minimaliste ou austère, ça ne me convient pas. Ça, c'est ma cuisine. Avec les enfants, je n'ai plus le temps de me consacrer à des hobbies. Moi, j'encourage les enfants à en avoir. Et ça, c'est un peu leur salle d'exposition. On change souvent les œuvres accrochées. Ça, c'est une œuvre qu'une de mes meilleures amies m'a fait pour mon anniversaire. Je viens d'avoir 40 ans et j'ai eu des cadeaux incroyables, mais j'adore ça. Et voici donc notre cuisine. On ne voulait pas qu'elle fasse trop parfaite. Une cuisine modèle, c'est pas mon truc. On a donc trouvé ces plans de travail chez un récupérateur de meubles. Ce sont des anciennes tablettes de travail d'une école de chimie, et si vous penchez là-bas, vous pouvez distinguer des graffitis gribouillés par les étudiants. Ça, j'ai trouvé ça chez Cardone Kinetti, et ce sont des petites poignées originales pour les placards. J'ai vécu à Londres toute ma vie. Je suis une londonienne pur jus et je vis dans ce quartier, à Notting Hill, depuis 20 ans. Je l'ai découvert en faisant des études d'art ici et je ne suis jamais repartie. Nous sommes très précisément autour d'Oxford Garden, ce qui pour moi est le meilleur endroit à Notting Hill. C'est important que je vive ici car c'est très près de ma boutique et je suis également tout proche de mon associé. Nous sommes meilleurs amis, en plus d'être associés, nous faisons toujours tout ensemble. Et finalement, c'est important parce que nos boutiques représentent vraiment la culture du quartier. À Notting Hill, c'est une culture un peu bobo. D'ailleurs, la plupart de nos amis clients viennent du quartier. Nous avons des gens qui nous ont découverts il y a 10 ans et qui ne cessent de venir nous voir. Nous aimons beaucoup recevoir. Comme nous avons des enfants, nous ne sortons pas trop et c'est bien plus sympa de recevoir tous nos amis à la maison. Nous faisons des barbecues, des soirées pizza où les enfants choisissent eux-mêmes leurs ingrédients. Il y a pas mal de voitures d'enfants par ici. C'est comme un garage en échelle réduite. J'adore collectionner des objets kitsch, des choses qui me font rigoler. Alors vous verrez dans le jardin des cygnes, des grenouilles, des choses que j'aime collectionner. Beaucoup des meubles de jardin ici proviennent de nos propres boutiques. On y vend des super parasols comme celui-ci, ainsi que d'autres accessoires pour l'été. Ici, en fait, c'est le seul endroit que je n'ai pas décoré moi-même. C'est un très bon ami, Guy MacDonald, qui a conçu le jardin. C'était le seul domaine pour lequel j'avais besoin d'aide.
Depuis que j'ai des enfants, je me suis souvent demandé si je pouvais vivre à la campagne. Mais ça me paraît difficile. J'adore vivre en ville. Je peux aller au théâtre, au cinéma, à des restaurants formidables. Et tous mes meilleurs amis vivent ici. Ce qu'il y a de super avec mon quartier, c'est que mes enfants vont à l'école au bout de la rue. Ça prend exactement 2 minutes pour y aller. La rue est charmante avec des terrasses de petits cafés et petites boutiques sympas. Et il y a un parc juste à côté avec une piscine pour les enfants. J'ai vraiment de la chance. Je peux aller partout à pied. Je n'ai pas besoin de prendre la voiture ni même d'aller dans d'autres quartiers de Londres. Si vous voulez bien me suivre, je vous emmène dans le bureau de mon mari. C'est également notre cabane de fête. Je l'ai juste obligée à la peindre en rose. C'est ma seule demande. J'ai de la chance d'avoir un mari qui aime le rose. Mon mari était DJ, alors il y a sa collection de vinyles et il a toujours des platines. Et c'est ici qu'on peut se réunir et se relaxer entre amis l'hiver, quand il fait trop froid pour faire des fêtes dans le jardin. C'est ici qu'il aime travailler la journée. Le hall était épouvantable, les murs et la moquette étaient effroyables. Alors on a tout enlevé et repeint les planchers. Voici ma salle de bain. Elle est toute petite mais je l'adore. Je collectionne les roses et le rose est ma couleur préférée. J'ai acheté ça juste après mon mariage avec Charlie, chez un antiquaire de Norfolk. Et vous conviendrez que c'est absolument fabuleux. Il y a des peintures de roses partout que je collectionne depuis un moment. Et ça c'est un placard. Nous en achetons beaucoup à un marchand parisien qui provient d'Inde. Nous en avons toute une collection à la boutique. Et j'adore ceci, c'est une antiquité des années 50 que j'ai trouvée. Je fais beaucoup de marchés d'antiquaires en Angleterre, comme celui de Campton. C'est super car vous pouvez trouver des choses formidables, rares et pas chères. Venez avec moi, je vais vous montrer la chambre des enfants. Jack et Otto, leurs noms sont sur la porte. J'ai deux requins coquins, alors difficile de garder la chambre rangée. C'est ici qu'ils dorment. Nous vendons ces couvertures dans notre magasin. Ce sont des anciennes couvertures galloises. Nous avons une charmante dame, Shirley McLaughlin, qui vit en Écosse et qui nous fait tout ça à coups humains. Vous pouvez voir les noms de mes fils et leurs comptines préférées. Notre chien Lily est également représenté. Le tissu des rideaux est de Kath Kidston. C'est un de mes motifs préférés, les cow-boys, idéal pour les garçons. C'est très difficile de faire des chambres de garçons. C'est bien plus simple pour les filles. Pour les garçons, c'est un vrai défi. Ils adorent ce cheval à bascule que j'ai trouvé dans une décharge. Il a beaucoup servi. Ce tableau est l'œuvre de Tom Young, mon beau-frère. Il l'a fait pour le baptême d'Otto et je l'adore, ce petit bus londonien. Suivez-moi et je vous montre ma chambre. Elle est rose, évidemment. Et il y a encore des roses. Le tissu des rideaux est fait par Celia Birdwell. C'est un de mes créateurs de tissus préférés. Et ça, c'est un Jane Wheeler. Elle crée des cardigans incroyables pour nous, en tricot cachemire avec des paillettes. Mais c'est aussi une artiste. Ça, c'est le détail d'une robe. Sur ce mur-ci, ces tableaux sont l'œuvre d'un peintre nommé Sam McEwen. Elle a pris les empreintes de chacun de mes enfants à leur naissance. C'est assez délicat parce que vous devez appliquer leurs pieds sur des tampons d'encre et c'est très difficile. Mais c'est formidable pour eux d'avoir ça quand ils seront plus grands. And
Nous avons lancé un autre designer dans notre magasin. C'est un artiste qui s'appelle Toby Mott. Et il a vendu des tas de t-shirts à slogan. Mais je collectionne son travail depuis longtemps. J'ai un certain nombre de ses Union Jacks qui sont un de ses thèmes favoris. Et là, ces deux tableaux ont servi à lancer toute une gamme de t-shirts avec ses textes. J'ai donc beaucoup de chance d'avoir les originaux. Notting Hill est vraiment vivant et haut en couleurs. C'est formidable comme quartier, les gens sont animés et cela a un impact direct sur ce que je propose dans mes boutiques. Je passe mon temps à Portobello Market où tout ce que vous pouvez trouver est d'époque, objets, vêtements, tissus, tous incroyables. Et encore une fois, toute la faune du quartier est top. C'est une des raisons pour laquelle j'adore Londres, pour sa formidable diversité. François Gilles. Ici, nous sommes dans le cœur de la maison, si je peux dire. Originalement, c'était deux pièces différentes et un tout petit appartement, en fait. J'ai acheté ici en 1999 et j'ai commencé à m'intéresser à la nouvelle période du 1950. La table rouge, la salle à manger, et les chaises, c'est tout à fait 1950, un peu, ça fait un peu Le Corbusier. Les luminaires très colorés, rouge, jaune et vert, c'est de 50 aussi, 50-60, et c'est italien. Je crois que l'éclairage est très très important. Donc si on attache l'importance à l'éclairage, qu'on prévoit l'éclairage sérieusement et professionnellement, le résultat est vraiment peut-être une réussite. Là, on a une lampe qui est assez intéressante, qui est un designer algérien des années, j'ai dû découvrir en des années 80, quelqu'un qui s'appelait Shérif. Ici, que j'ai une petite lampe qui m'est assez chère, que j'ai dessinée avec un de mes neveux à Paris. J'ai un neveu qui est designer. Et c'est une lampe que j'ai fait en cuivre, à base de cuivre rouge et de crocodile. J'ai commencé à chercher, je lui ai dit, comme j'ai un bureau à Bade aussi, autant trouver un petit pied-à-terre qui sera beaucoup moins cher que celui-ci, juste traverser la Tamise. C'est un quartier très mélangé, en fait. Et j'aime beaucoup le mélange des gens, en fait, ici. J'aime beaucoup les couleurs. Dans mon travail, étant décorateur, les clients ne vous donnent pas toujours de grande liberté sur la couleur. Ils ont très peur des couleurs. Donc moi, quand il s'agit de m'en servir, je m'en donne à cœur joie. Ça, c'est 50. Cette table bleue en métal, en fer bleu et aussi très, très assez fort comme couleur. Et puis cette petite table aussi, 1950, italienne aussi, en céramique, avec un dessus en céramique que j'aime beaucoup. Des chaises du Maroc, et elles sont difficiles maintenant à trouver, mais ça fait longtemps que je voulais trouver une belle paire de chaises marocaines de ces années-là. Voilà. Au mur est un tableau qui m'est assez cher. C'est un tableau d'un peintre russe qui a peint beaucoup de gens de ma famille et qui, celui-là, est un portrait de ma mère à l'âge de 8 ans.
Au sol, vous voyez pas mal de tapis très colorés aussi, qui sont des tapis que j'apprécie beaucoup, que je collectionne du Maroc. Ici, j'aime assez aussi ce luminaire qui est là en plâtre, ainsi que ces carreaux de relief ont été faits par une artiste céramiste qui s'appelle Stéphanie Berman, que j'aime beaucoup, que je commissionne pas mal pour mon travail. Sur cette banquette, sofa banquette, si je peux dire, une espèce d'amalgame de coussins très bariolés et très différents, aussi bien le pop art qui se mélange avec la broderie de fez et les batiks du Niger très colorés orange. Coin cuisine, comment on appelle ça, cuisine. En Angleterre, ils appellent ça « cuisine family room ». Enfin, c'est là que je passe beaucoup de temps parce que c'est ouvert avec le jardin, qui est un des plus de la maison. Voilà, le jardin, et on continue à marcher sur des tapis marocains, très colorés. Et j'en mets même dans le jardin, très souvent le week-end, j'ai des amis, même des coussins par terre, et on prend un verre. On prend un verre assis par terre ici. J'ai peint aussi le mur extérieur de mon jardin de la même couleur que l'intérieur, pour justement apporter l'intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. J'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec un très bon jardinier anglais qui était médaille d'or au Chessy Flower Show il y a quelques années, qui s'appelle Arnie Menud. Et Arnie, j'ai fait jardin avec Arnie. Je voulais un jardin très pratique, dans le sens que je suis souvent par monts et par vaux, et je voulais que ce soit un jardin qui marche assez facilement tout seul. Bon, pour moi, une décoration réussie, c'est quand on rentre dans un espace et qu'il y a tout de suite un caractère, une chaleur, il s'émane quelque chose de cet intérieur. On reconnaît l'intérieur d'un écrivain ou d'un musicien ou d'un collectionneur. J'ai décidé de... Pour moi, j'ai une salle de bain, vous allez voir plus tard dans l'étage d'en haut, dans les tons très sables et très reposants, dans une chambre qui est dans tous les blancs. Je vous dis, pour les amis, on va faire de la couleur. Et comme je ne suis pas toujours, je ne me lasserai pas de ces couleurs. Et décider de jouer sur des couleurs très fortes, un peu encore des couleurs des années 50. Donc ici, on arrive en haut dans une pièce qui est très claire et très apaisante. J'utilise très souvent... je dirais ce thème dans les chambres, parce que je trouve qu'on a besoin de se reposer. C'est très rare d'inventer complètement à partir de zéro quelque chose. Je crois que c'est toujours une influence. Moi, ma créativité démarre presque toujours de quelque chose qui est de la nature ou une vision que j'ai de quelque chose que j'ai parcouru dans un marché ou dans un paysage. C'est un peu une chambre que j'ai rassemblée en fait après un très beau voyage que j'ai fait dans le désert en Mauritanie à dos de chameau pendant plusieurs jours, et c'est un peu la consécration de ce voyage. C'est un très beau morceau de papier peint, ça, d'un peintre qui s'appelait Bowden, un peintre anglais des années 30, qui est au-dessus d'un petit coffre de voyage, 18e, qui est une finition assez intéressante. J'ai un prototype de quelqu'un qui s'appelait André Dubreuil, qui habitait à Londres dans les années 80, et qui a vécu à Londres pendant 20 ans, et qui travaillait avec ce monsieur aussi qui est là. Cette roue de chaise, un autre prototype d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Tom Dixon.
Et moi, je pense très fortement qu'il faut laisser un peu de hasard et d'aventure quand on fait un appartement. Et quand je suis, moi, concerné pour mon appartement à moi, j'aime beaucoup laisser ça à l'aventure. Je travaille un peu comme un peintre avec son chevalet. Bon, ici, on pénètre dans ma salle de bain, qui est aussi, on continue dans les tons sable, mais avec des couleurs du cuivre rouge. Je suis parti un peu, en fait, dans cette pièce, je suis parti à partir de cette petite chaise que j'ai trouvée très kitsch en fait à Portobello, mais qui m'a assez amusé avec le zèbre et le cuivre rouge. Et j'ai décidé de peindre le devant de ma baignoire et la base de mon lavabo dans une couleur bronze. Comme je suis souvent en Afrique, je pense souvent à l'Afrique et j'ai maintenant une base dans le nord de l'Afrique, au nord du Maroc, à Tanger. Voilà, le matin, je me rase, je ne peux pas ne pas penser à l'Afrique. Je me rase en regardant l'Afrique. Je suis un peu un voyageur, je m'attache de moins en moins aux objets. Je dois dire, j'adore découvrir les objets. Pour moi, c'est la découverte, l'aventure de trouver un objet et ensuite de le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Roger Walker-Dack, je dirige les Designer Warehouse Sales à Londres et vous êtes chez moi. C'est ma collection de boules à neige souvenirs que j'ai arrêté de collectionner car j'en ai trop. Ça, c'est ma dernière acquisition qui ne va d'ailleurs pas rester ici, elle va partir dans ma maison de Miami. C'est une robe Balenciaga signée Richard Knott. Voici mon salon. Cet immeuble était à l'origine une imprimerie. C'est donc très vaste et plein de béton. J'ai embauché un de mes amis, le décorateur John Guest, pour rendre cet espace hyper confortable. Les grandes portes étaient son idée. Je lui ai simplement dit, il y a de l'espace ici, je veux que ça en jette. Il m'a dit, ok, file-moi un gros chèque. C'est comme ça que je l'ai eu. Elles sont allemandes, je crois. Elles sont super. C'est très ouvert, c'est comme ça que j'aime vivre. Ça, c'est mon salon. Voici une autre œuvre de Richard Knott qui n'est pas encore accrochée. Elle fait partie de sa première expo en solo qui aura lieu en juillet prochain. J'en ai la primeur. Ça, c'est mon œuvre préférée. Richard Knott était un ami proche de mon partenaire dans la vie qui est décédé il y a 10 ans. Et ce tableau de notes ne me quittera jamais à cause de cette historique avec mon partenaire et les circonstances de son achat. Cette photo représente Gilbert et George. J'ai fondé et dirigé pendant longtemps une association de lutte contre le sida appelée Fashion Act. Et nous avions une grande exposition par an, une vente de charité, c'était formidable. Cette photo ici est celle d'un photographe anglais du nom de Stevie Hughes. C'est une de ses photos les plus célèbres. Stevie Hughes était très apprécié dans l'industrie. Il était entièrement dévoué à la mode et nous avons dédié une des expositions de charité à sa mémoire. Ça fait un peu moins de 5 ans que je vis ici. J'ai emménagé peu de temps après le 11 septembre. Mais c'était en chantier
pendant plusieurs années. Tout ce qu'il y a dans ma maison a une histoire, parce que je m'attache souvent aux choses. Par exemple, quand j'ai acheté cette table basse, c'était à Cologne, j'en suis tombé amoureux. Et ce n'est qu'au moment de la payer que je me suis aperçu qu'il y avait en fait deux tables basses. Par ici, c'est ce que certains appellent ma deuxième chambre à coucher. Mais ce n'est pas vrai. C'est plutôt un petit salon où mon neveu dort parfois. Ces radiateurs sont flambant neufs. Ce sont des plaques de verre toutes simples. Ils sont aussi beaux qu'impressionnants. Mais ne me demandez pas comment ça fonctionne, je n'en sais rien. Chez moi, je dois être confortable. À mon aise et en paix. Parce que quand je rentre ici, c'est souvent depuis mon autre maison à Miami et c'est pour travailler, donc un peu à contre-cœur. Certains de mes amis m'ont dit « Prends-toi un appartement », mais j'aime l'idée d'une maison tout confort. Par ici se trouve ma chambre. Le décorateur a conservé le thème des éclairages. Il y a des lampes carrées un peu partout. Là des petites, là des plus grandes. Elles sont sur variateur, ce qui me donne de la lumière tamisée, que j'aime beaucoup. C'est cool, calme, relax. C'est comme ça que je veux ma chambre. Ici, ça me sert de salle à manger, de bureau, une pièce à tout faire. Parce que je travaille pas mal à la maison. C'est assez astucieux car il y a une planche coulissante au centre. Une fois sorti, on peut être 10 à table. Ce qui est important, c'est que son chez-soi soit le prolongement de ce que vous aimez et que vous suiviez votre instinct. Moi, je ne lis pas beaucoup et je n'écris pas. Mais j'ai de la chance d'avoir des amis dans l'industrie de la mode, sous toutes ses formes, que ce soit d'un point de vue textile ou artistique. C'est ma cuisine, ma fantastique cuisine. Elle ne sert que lorsque mon chef cuisinier est là, car moi je ne fais rien. Mais j'aime qu'elle soit belle, en acier inoxydable. Si, j'ouvre les bouteilles de vin. Mais en fait, je suis un fan de Starbucks. Et que peut-on dire de plus d'une cuisine ? Mon ex était assez méticuleux. Il n'aimait pas que je fasse traîner mes bibelots, mes petits souvenirs bon marché venant de partout. Et quand j'ai déménagé, j'ai dû prendre tout ça avec moi, et ils ont tous leur petite histoire. Particulièrement la collection des madones. Je les adore. Et il vous faut un endroit pour vos pacotilles. Je suis homo, donc forcément, je vais collectionner un poivrier en forme de joconde. Quand je travaille à Londres, ce qui représente un tiers de mon temps, je passe beaucoup de mon temps ici. La vue est très importante pour moi, et j'aime beaucoup cette vue. Principalement parce qu'elle est dépaysante. Je n'ai pas l'impression d'être en pleine ville. Et j'aime vivre sur l'eau. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est le Regent's Canal. Il remonte jusqu'à Islington, par là, et vers l'East End de l'autre côté. C'est super, il y a un chemin de halage tout le long. De tous les endroits où j'ai vécu, c'est de loin le plus calme. Et c'est pour ça que je l'adore. Sauf l'hiver, quand les oies canadiennes vous réveillent à 3h du mat. Elles font du boucan, on se croirait à la campagne. Un ami m'a dit, si ces oies sont canadiennes, tu peux leur tirer dessus. Mais comment le saurais-je? Je ne vais pas leur demander. J'adore Islington, j'adore ce quartier. Je pense qu'à Londres, vous êtes soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Et si vous franchissez la rivière, vous ne la retraverserez plus. Cela affecte votre rapport avec la ville. Vivant à Islington, je vais au restaurant de ce côté du West End. Et je suis bien trop loin de Chelsea. Je n'y vais plus trop. Si vous n'en profitez pas tous les jours ou tous les mois, Londres vous attend quand même. Vous avez le choix d'en profiter ou non. J'aime ça. Et même quand je m'absente, j'adore toujours cette ville. C'est un endroit formidable. Je suis un bon client. J'ai dit à mon décorateur, casse tout et fais ce dont tu as envie. Cette salle de bain était moche en noir et blanc et il s'est fait plaisir.
Il y a de la pierre à chaud, des mosaïques, et c'est très ouvert, comme j'aime, avec un lavabo original. Là aussi, le désordre est planqué. J'adore ma salle de bain, je la trouve sensationnelle. C'est d'ailleurs la seule fois où je suis intervenu, car mon décorateur ne voulait pas de vitres. Et moi, très pragmatique, je lui ai demandé « Comment je garde mon papier toilette sec ?» Il y a un radiateur en verre ici aussi. Ce n'était pas conçu comme ça au tout début. Ça a évolué. En tant que styliste de mode, j'estime qu'un appartement est un chantier permanent, qu'il doit évoluer avec vous, qu'il ne doit pas rester figé. Je ne sais pas si je veux autre chose. Un écran plasma plus grand ? J'ai acheté un écran plasma incroyable chez moi à Miami, mais pas ici. Non, je suis très content chez moi. Et je ne vois pas ce que je pourrais améliorer. Je suis heureux. Bonjour, je m'appelle Richard McCormack. Vous êtes chez moi. J'habite ici depuis 20 ans, au cœur de Spitalfields, un quartier original et peu banal de Londres. Je suis architecte et j'ai mes bureaux dans une ancienne brasserie juste à côté. Je vais maintenant vous montrer ma maison. Nous sommes ici dans la moitié, ou plutôt dans la première maison de deux maisons mitoyennes. Nous arrivons ici au premier étage du numéro 5, qui était la maison du brasseur à l'époque. Et ce que nous avons découvert, ma femme et moi, lorsque j'ai acheté la maison d'à côté, c'est un accès des plus insolites. Ici, vous croyez une porte de placard, mais il en est tout autre chose. Vous traversez un mur, en fait. Pas qu'un mur, d'ailleurs. Vous traversez une cheminée. C'est le seul moyen d'accès par cette cheminée. Une porte peu banale. Nous voici donc au premier étage de ma maison. J'ai un bureau par là qui surplombe l'entrée de mon cabinet. C'est ici que je passe du temps à dessiner de manière traditionnelle. Et c'est un bureau pour être au calme. Mais aussi un lieu d'exposition pour mes gravures. Un Picasso, Bert Irwin, un artiste et graveur anglais. Et ça, c'est de Patrick Caulfield, un artiste anglais décédé il y a 6 mois. Et voici un Hiroshige. Parfois, je travaille là-haut et parfois ici. C'est une sorte de refuge par rapport à mon cabinet. Et maintenant, on monte. J'ai transformé l'escalier d'origine. Et désormais, on peut voir à travers les marches de manière originale. Et vous voici en haut de ma maison. Quand j'ai acheté cette maison, elle était en ruine et le toit s'était écroulé. Le plafond descendait jusqu'ici et j'ai dû mettre un pan de bois au milieu de la maison.
J'ai choisi de conserver le principe d'origine, assez inhabituel d'ailleurs, qui alterne la taille des planches de bois, des fines, des plus larges, les fines s'encastrant dans les plus grandes. Je n'avais jamais vu ce système auparavant. C'est peut-être scandinave. Comment c'est arrivé en Angleterre est pour le moins étrange. Étant moi-même architecte, j'étais sûrement très sensibilisé à cela. J'ai décidé d'étudier de plus près le système de construction découvert dans cette maison. Ces planches en bois vertical, minces ou épaisses, et fonctionnelles puisqu'elles soutenaient le toit même de la maison. Très étrange. Et j'ai voulu explorer cela de manière esthétique. J'ai donc dessiné tout ceci d'abord, des croquis précis de l'ensemble. Ça m'a plu. J'ai choisi un thème de construction. L'alternance de planches larges et minces avec d'autres plus étroites. Je me suis dit que j'en profiterais pour inventer un nouveau lustre pour la peinture. Je ne sais pas si je l'ai inventé, mais le lustre foncé ici, c'est du graphite. Ce que vous trouvez dans les crayons à mine. J'ai mélangé un vernis de graphite avec une peinture grise plus claire et traditionnelle. C'était une expérience intéressante. Que je sache, personne n'a utilisé un vernis de graphite de la sorte. C'était comme un jeu. Créer des ouvertures, installer des objets ou des éclairages dans ces ouvertures. J'ai peut-être été inspiré par la maison d'un architecte que j'aime énormément, le musée Johnson à Lincoln's Inn Fields. On peut donc s'amuser à placer des miroirs dans les recoins, transformer d'autres ouvertures en placards, ou créer des éclairages internes qui servent à mettre en valeur ma collection de gravures de Piranesi. Je collectionne des gravures modernes, essentiellement des gravures anglaises, et aussi ce qu'on pourrait appeler des gravures européennes, avant que l'Angleterre ne fasse partie de l'Europe. Il y a une autre pièce de l'autre côté, qui se sert tout autant de ce mur. Il y a trois épaisseurs successives, en fait. Tenez, je vais vous montrer. On peut voir les trois épaisseurs, de telle sorte que la pièce d'à côté emprunte des étagères de livres, des placards, etc. Là, un petit placard secret. Parfois, vous voyez au travers, dans la pièce d'à côté, et parfois, vous voyez dans un miroir. Et vous avez donc des situations cocasses. Et la fenêtre au fond, qui offre une vue derrière la maison, et en même temps, voyez dans le miroir cette fenêtre avec la vue côté rue. Ça, c'est un ami qui l'a fait. C'est son interprétation de ce que le mobilier irlandais serait devenu si les Anglais n'étaient pas arrivés jusqu'en Irlande. Ça, c'est un sanctuaire familial japonais, il me semble. Mon arrière-grand-père, qui faisait du commerce au Japon, a ramené cela. Il y a pas mal de choses étranges ici, notamment chinoises ou japonaises. Et italiennes aussi. Ça, c'est français, et une chinoiserie du XVIIIe siècle. Now,
Beaucoup d'architectes modernes se considèrent minimalistes. Je ne me considère pas comme minimaliste. Plutôt, et c'est une boutade, comme un maximaliste. Ça, c'était le haut de forme du perroquet de mon grand-père irlandais. Ce perroquet était très chic. Il portait ce chapeau pour dîner. La température à Londres est généralement 2 degrés plus élevée qu'à la campagne. Et les vents du sud-ouest viennent de là-bas. Donc on est assez abrité. Une des raisons pour laquelle tout pousse très bien ici, c'est ce microclimat. Bonjour, je m'appelle Sam, je suis la copropriétaire de la boutique The Cross et de la boutique pour intérieur Cross the World. Nous avons ouvert notre première boutique The Cross il y a 10 ans. Nous avons commencé par vendre des accessoires et des choses qui nous plaisaient, comme les bijoux très sympas de Pippa Small, dont je porte d'ailleurs des bagues en ce moment. Et il y a seulement 2 ans, nous avons décidé de lancer notre boutique pour intérieur quand un espace s'est libéré juste en face et c'est devenu Cross the World. Ça a été formidable pour mon associé Sarah et moi, car nos intérieurs chez nous ont tellement d'importance et nous pouvons maintenant parcourir le monde pour trouver des choses merveilleuses pour la boutique qui finissent chez nous également. Notre boutique reflète nos goûts et notre mode de vie et quand vous y entrez, c'est un peu comme si vous veniez chez nous. Une de mes adresses préférées à Londres est un vrai bijou caché. Il s'agit du petit hôtel Miller's Residence. Je vis dans ce quartier depuis longtemps et j'ai seulement appris son existence en lisant un magazine à Noël dernier. J'y suis allée pour voir avec mon amie Sarah et nous avons décidé que c'était l'endroit idéal pour fêter nos 40 ans. On a réservé tout l'hôtel pendant un week-end, autrement dit les 8 chambres. La déco est incroyable, pleine d'antiquités complètement délire et baroque. Et les propriétaires sont charmants. Si vous devez passer un week-end à Londres, c'est vraiment un endroit de rêve, complètement insolite, et votre séjour ne pourra être qu'extraordinaire. Si je peux sortir, j'adore aller au River Café. Il appartient à Ruth Rogers et Rose Gray. Et c'est le restaurant associé au cabinet d'architecture de Richard Rogers, sur le port de la Tamise. C'était d'ailleurs la cantine du cabinet au début. Et c'est maintenant un restaurant fabuleux, surtout l'été quand vous pouvez manger dehors avec vue sur la rivière. Tous les ingrédients sont bio, la qualité est exceptionnelle et vous aurez forcément un repas délicieux. Si c'est une belle journée, j'aime emmener mes enfants avec mon mari à Petersham Nursery. Il n'y a pas d'autre serre comme celle-ci. Il y a des plantes magnifiques. C'est dirigé par Carla Gabbioni, qui a un goût incroyable, et c'est plein d'antiquités extraordinaires. Des tables incroyables sculptées à la main. Et ils ont un restaurant fantastique dirigé par quelqu'un qui s'appelle Sky, qui écrit des critiques culinaires pour Vogue. Et la nourriture est exquise. Ce qui est formidable, c'est que l'environnement n'est pas trop pédant et du coup, les enfants peuvent courir partout. On n'a pas de soucis à se faire, c'est très bon enfant. C'est un endroit magnifique où passer la journée.